Zoom. Je remercie Ella de nous avoir réunis ce soir pendant ce beau mois béni de Ramadan. Et je vous remercie aussi de nous offrir votre présence et la grâce de votre présence. Et ça, c'est une véritable source de joie. C'est une bénédiction qu'on soit tous réunis. C'est une plus une réunion spirituelle, je dirais même une réunion d'amoureux et non un cours académique sur Rumi, puisque il n'y a pas de diplôme pour aimer pour aimer Rumi. Et son enseignement est toujours d'actualité, même s'il a plus de 800 ans. Et souvent, on se pose la question pourquoi quelqu'un du XIIIe siècle est toujours d'actualité. Eh bien, c'est parce qu'il fait partie des hommes de vérité, dont les paroles gardent toujours cette saveur pour nous. Alors, le titre de la réunion spirituelle sur les pas de Rumi, c'est vrai que c'est le nom d'un voyage qui nous avait réunis, à partir d'ailleurs du festival de Fès, de la culture soufie. Et c'est aussi une manière humble de transmettre l'enseignement de Rumi, c'est-à-dire de tenter de marcher sur les traces de ses pas, car finalement, nul ne peut connaître l'œuvre de Rumi sans avoir atteint le même degré d'élévation spirituelle. C'est pour ça que c'était bien de rester sur les pas, par humilité. Quant au thème, la foi mène à la vraie joie, qui a été choisie donc, par Sana, eh bien, c'est vrai que je l'ai trouvé intéressant parce qu'il c'est une justement un des enseignements de Rumi. Ce n'est pas le seul. Hein. Rumi est très axé, alors ça nous le savons tous, sur l'amour, mais aussi sur la vérité. L'une des expressions de la joie, c'est le rire. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte justement sur le rire. Le rire qui, chez Rumi, permet de voir l'état du cœur, en fait, d'une personne. Et plus que d'une personne, c'est aussi de notre même. Donc, c'est un texte sur la grenade. Maintenant, je regrette un peu de ne pas en avoir mis plus, parce que c'est un texte qui vient donc du Masnaoui, qui est la plus grande œuvre de Rumi, qui compte plus de 25 000 distiques, un distique étant un vers en deux parties, hein, donc il faut multiplier par deux pour avoir le nombre de vers du Masnaoui. Le Masnaoui est un ouvrage didactique qui a pour but d'enseigner, qui lui avait été demandé par un de ses disciples et amis, qui est Oussamedine Tchalebi, qui justement souhaitait un livre pour transmettre l'enseignement aux disciples. Et alors, je vais peut-être essayer de le lire maintenant qu'il apparaît à l'écran. Alors, c'est comme pour le Coran, c'est difficile d'extraire une partie parce que la partie va avec un tout. Donc, je vais juste lire le début que toi, tu n'as pas et que j'aurais aimé finalement ajouter. Le glaive de la réalité se trouve dans l'arsenal des saints. Par saint, c'est la traduction, c'est Aulia, Evliya en turc. Les voir, c'est pour toi la pierre philosophale. Tous les sages ont dit de même. Le sage, avec un S majuscule, est une miséricorde pour les mondes. Donc, vous voyez à qui Rumi fait référence, à savoir le prophète Mohammed. Si tu achètes une grenade,
Achète-la quand elle est ouverte, comme pour le rire, afin que son rire puisse te renseigner sur ses graines. Oh, bénis son rire, car par sa bouche, elle montre son cœur, comme une perle de l'écrin de l'âme. Mais le rire de la tulipe n'est pas béni, car sa bouche laisse apercevoir la noirceur de son cœur. La grenade riante égaye tout le jardin. Si tu fréquentes les saints, tu deviendras l'un d'eux. Que tu sois roc ou marbre, tu deviendras joyau quand tu parviendras au cœur du saint. Enracine l'amour des saints dans ton esprit. Ne donne ton cœur à rien d'autre qu'à l'amour de ceux dont les cœurs sont joyeux. Ne va pas dans le voisinage du désespoir. Il existe des espoirs. Ne va pas dans la direction des ténèbres. Il existe des soleils. Le cœur te conduit dans le voisinage des hommes du cœur. Le corps t'amène dans la prison d'eau et d'argile. Oh, donne à ton cœur la nourriture venant de celui dont le cœur est accordé au tien. Va chercher le progrès spirituel chez celui qui est avancé. Donc, c'est une traduction d'Eva de Vitré Meyerowicz, comme tu l'avais bien noté, Sana. Donc, oui, sur le thème, tu avais ajouté la vraie joie. La foi mène à la vraie joie, ce qui n'était pas le cas au départ. Et quelque part, c'était une façon aussi de distinguer cette joie, cette vraie joie qui vient de la foi, de la joie qui est procurée par les paradis artificiels, parce qu'ils sont nombreux. Ce texte de la grenade, je l'ai choisi aussi parce que nous avions décidé, après nos deux voyages, de continuer sur l'Andalousie, sur l'esprit des Landalous, et c'était notre prochain voyage. Alors, c'est vrai que ce voyage a été un peu retardé, on va dire, mais on le garde toujours dans notre cœur en projet. Voilà. Donc, si Rumi a choisi la grenade, c'est que… Alors, j'ai vu que quelqu'un avait mis « Ce qui fait chanter mon cœur, c'est la pastèque ». Donc, cette personne, je l'ai noté le nom, c'est Marouane. Donc, Marouane sera content aujourd'hui parce qu'il y a aussi la grenade. Donc, il aura deux fruits pour faire chanter son cœur. Donc, si Rumi a choisi la grenade, c'est que c'est un fruit très particulier dans la culture islamique. C'est un des seuls fruits cités dans le Coran, avec la date, mais il n'y a pas énormément de fruits cités dans le Coran. Après, vous pouvez, au fur et à mesure, intervenir par message ou à la fin. J'espère qu'on aura un peu de temps pour l'interactivité. Donc, c'est aussi un fruit qui est à relier à plusieurs hadiths. Il naît de grenades qui ne contiennent une graine des grenades du paradis. Alors ça, c'est un premier hadith. Il y a aussi un autre qui concerne davantage notre texte. Mangez des grenades, car pas une graine de cette grenade n'entre dans l'estomac. Une grenade n'entre dans l'estomac sans éclairer le cœur et faire taire Satan. La grenade est le maître des fruits. Quiconque en mange une met en colère son Satan pendant 40 jours. Il n'y a aucune grenade qui ne contient pas une graine des grenades du paradis, ça on l'a dit aussi. C'est un complément. Si une graine venait à tomber pendant que vous mangez la grenade, ramassez-la, car cette graine n'entre pas dans l'estomac d'un musulman sans l'éclairer pendant 40 matinées. Et je me rappelle que l'ethnobotaniste Abderrezak Ben Shahban
lorsque je lui avais parlé de la Grenade, m'avait raconté justement qu'enfant, près de Marrakech, on lui disait toujours de traiter la Grenade avec une grande attention. Donc, on voit que la Grenade est liée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, également chez les chiites, où on dit que le jus de la grenade symbolise les larmes de Fatima, donc sa fille, lorsqu'elle versa à la mort de son fils Hussein. Et puis que ces grains, alors les grains on les appelle des arilles, c'est le nom botanique, que ces grains donc sont les larmes du prophète. Alors c'est un fruit qui vient de Perse, qui était donc bien connu de Rumi, et donc il n'y a pas de hasard s'il a justement utilisé ce fruit dans le texte. Et c'est un fruit qui n'est pas cité que dans le Coran, qui est aussi cité dans la Bible. On raconte que le temple de Salomon, qu'il avait donc des grenades en décoration chez les chrétiens. C'est un fruit aussi qui est très, très symbolique. Et d'ailleurs, l'histoire dont est extrait ce poème, chez Rumi, dans le Masnaoui, est en lien avec les chrétiens. Donc, je me suis dit que Rumi, alors soit c'est un hasard, mais en tout cas, c'est un hasard c'est un beau hasard. Alors, la multitude de tous ces grains symbolise, alors depuis l'Antiquité, hein, la vie et la fécondité, l'abondance et la générosité. Et ce sont des valeurs, justement, qui sont à mettre en lien avec la joie, parce que, en général, elles déclenchent beaucoup de joie en nous. Et sa couleur, c'est quand même aussi la couleur de son intérieur, n'est pas anodin. Ça symbolise aussi le côté sanguin de l'humain et la même couleur que son cœur. Et le jus rouge rappelle le sang aussi. Et donc traditionnellement, c'est un fruit que les nomades prenaient avec eux pendant les longs périples, puisqu'elle étanchait de la soif. Et je me suis dit que symboliquement, elle étanche notre soif spirituelle. Et son goût très sucré rappelle aussi la douceur des discours. Je me rappelle un vers de Rumi que j'aime particulièrement dans une ode, qui est « Le rubis de tes lèvres est une mine de sucre ». La grenade symbolise les contraires et l'union des contraires. Alors vous allez dire, oh là là, elle nous parle beaucoup de la grenade et pas trop de la joie. Mais vous allez voir, j'installe en fait un peu les fondations. Les fondations avec toutes ces valeurs. Le cœur. Donc elle symbolise aussi les contraires et l'union des contraires. Et en fait, le paradoxe est vraiment un art soufi pour représenter le plein, l'un. Donc l'extérieur de la grenade est très humble et contraste avec son intérieur. Et c'est déjà une leçon, l'aspect du fruit est déjà une leçon pour le disciple soufi, d'avoir un extérieur humble et que la richesse soit notre intérieur. Et on retrouve ça aussi dans l'architecture. Par exemple, je vois les maisons de la Médina où on ne voit rien que des murs très lisses alors que l'intérieur est tout ciselé. Donc, je nous souhaite la même chose. C'est rangé en fait à l'intérieur, les rangées de grains, d'arilles, symbolisent aussi les croyants.
Alors d'ailleurs, chez les catholiques, chez les chrétiens, elle peut être le symbole de l'Église, justement, puisqu'elle elle réunit tous les croyants à l'intérieur d'elle. Et tous ces croyants réunis vont vers un seul but, qui est l'amour de Dieu. Donc, elle est le symbole de l'intégration de la multiplicité dans l'unité. Et en ce sens, ça me paraissait important de le souligner. Et quant à sa peau, donc on a vu qu'elle était lisse, qu'elle nous rappelle une humilité, mais elle est dure aussi. Et pour arriver au cœur, c'est toujours un peu difficile pour arriver aux fruits savoureux. Et donc, c'est une métaphore aussi de l'ascèse, des exercices spirituels, du djihad intérieur. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, un des participants, il se reconnaîtra, m'a dit « Ah, la grenade, c'est aussi révolutionnaire !» Parce qu'il faisait plutôt référence à l'arme de la grenade. Alors, je n'y avais pas pensé, mais plutôt pour une révolution intérieure, m'a-t-il dit. Donc, on voit qu'un seul fruit, comme ça, est source de méditation. Et c'est important, on a vu là, lorsque Sana a posé la question sur ce qui faisait chanter notre cœur, il y avait l'observation de la nature. Et ça, ça me paraît vraiment important, parce qu'il y a toujours cet échange entre la création d'Allah et nous-mêmes, un échange de dons, de réception. Et c'est en permanence en fait que nous sommes enrichis et que nous enrichissons. On est nourri et nous nourrissons. Et ça, ça faisait partie aussi de ce qui vous mettait en joie ouais, aussi, ce partage, cet échange. Et même avec une plante, on échange aussi. C'est-à-dire que quand on respire, dans notre expire, nous avons le dioxyde de carbone qui nourrit la plante. Et la plante, elle, par son expire, nous donne de l'oxygène. Donc, voilà. Même dans des choses très petites, infiniment petites, il y a une grande beauté et une générosité infinie qui est une grande source de joie, une source de joie infinie symbolisée justement par tous ces grains dans la grenade. Alors certains peuvent s'amuser à les compter, mais en tout cas symboliquement, il y a cette notion d'infini qui est contenue dans la grenade. Tout va bien pour l'instant, j'espère que tout le monde entend. Tu m'interromps si... Non, tout va bien, tout va bien. Voilà, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose en tant que coach, déjà sur ce que j'ai pu dire. Moi, je préfère me laisser bercer par le flot de ta voix et te laisser... Et donc, je préfère peut-être donner une petite synthèse à la fin de ta présentation pour laisser les personnes concentrées sur le poème de Rumi. Si tu le veux bien, si tu me le permets. Très bien. Donc, sur on va prendre le premier vers, si tu achètes une grenade, achète-la quand elle est ouverte, comme pour le rire, afin que son rire puisse te renseigner sur ses graines. Je répète un peu parce que finalement, tout le monde n'a pas le texte. Donc, sinon, Je l'ai envoyé dans le mail cet après-midi. Ils doivent l'avoir dans leur boîte mail, normalement. Alors, c'est vrai qu'on travaille sur une traduction. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur chaque mot parce que on n'est pas sur la source en,
la source persane. Donc, c'est plutôt bien de dégager une idée. Mais le fait justement que les graines renseignent, il y a en fait chez Rumi toujours cette recherche de la vérité. Et d'ailleurs, le Sema, on appelle Sema en turc, commence par « Ya azreti mevlana hak dost ». Donc, ami de la vérité, dost en persan, c'est l'ami. Ici, le Sama commence par cela. Ça, vraiment, cela révèle toute l'importance de la vérité dans l'œuvre de Rumi et dans son enseignement. Ça me paraît important parce que, en fait, Rumi a dit « Celui qui a lu le Masnaoui sait reconnaître les faux guides. » Et à plusieurs reprises dans le Masnaoui, Rumi nous demande de faire attention aux faux semblants et notamment aux faux chouliours, aux faux guides. Alors, il y a vraiment, je dirais que c'est pas toutes les histoires, mais il y en a de nombreuses. La première histoire, d'ailleurs, qui est celle du roi amoureux d'une jeune esclave et qui est conseillée par des médecins qui n'arrivent pas à trouver le mal de la jeune esclave. Il y a aussi une histoire sur un désir d'un âne par une femme. À chaque fois, dans toutes les petites les leçons, parce qu'en fait, les histoires de Rumi, elles sont importantes par la leçon qu'on en tire. Les quelques lignes de la fin sont très importantes. Donc, à chaque fois, il nous demande de faire attention aux faux guides, aux faux semblants. Et il nous adjoint toujours d'utiliser notre raison, même si c'est le cœur qui nous donne la direction. Et ça, c'est vraiment, ça me paraît être quelque chose d'important dans l'enseignement de la Mevlevia, donc la confrérie de Rumi. Et cette recherche de la vérité chez les autres, mais aussi chez nous-mêmes, de rechercher son propre soi, son propre, comment dire, vraiment nos propres pensées, sans tous les vêtements de la dunya, de la culture, de se connecter à son esprit, je dirais primordial, celui qui, c'est-à-dire avant incarnation, celui qui était dans le monde des savoirs divins. Alors, ensuite, Rumi nous dit « Oh, béni est son rire, car par sa bouche, elle montre son cœur, comme une perle de l'écrin de l'âme. » Donc, le mot « cœur », quelle que soit la traduction, le mot « cœur » dans ce texte est répété 9 fois. C'est un tout petit texte. Hein, et forcément, il fait référence à un hadith que je pense tout le monde ici connaît. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire que des choses que vous connaissez, mais c'est un petit rappel. Et je pense que ce mois de Ramadan, c'est aussi se rappeler parce que quelquefois on s'est un peu éloigné. Donc le hadith, c'est « Ni ma terre ni mon ciel ne me contiennent, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. » Alors je ne sais pas si Saad est près de Sana, parce qu'il aurait pu nous le dire en arabe. Il n'est pas avec nous, Saad. Ah non, il est là. Non, il est là. D'accord. Parce qu'il aurait peut-être pu nous le dire en arabe. Parce qu'à chaque fois, pendant nos voyages, c'était mon binôme pour l'arabe. Ton traducteur assermenté. Exactement. Donc voilà, le cœur seul peut contenir Allah. Et finalement, c'est ce qui définit le mieux
l'expérience soufie, c'est cette conviction que le divin peut être expérimenté dans notre vie ici-bas, avant même la résurrection finale, et que le moyen, le lieu en fait de cette expérience, eh bien, c'est le cœur. Et d'ailleurs, le Coran parle très fréquemment du cœur comme un organe de la compréhension de la foi. Donc, ça rejoint Sana, ta thématique. Alors, il y a une sourate qui est la Zohar, qui est la sourate des groupes. Et parce qu'en fait, je ne vais pas tout vous citer hein, dans le Coran, déjà parce qu'il y a plusieurs mots qui font référence au cœur. Mais en tout cas, dans cette sourate, qui est la sourate 39, verset 22-23, je cite tout ça parce que si vous voulez retrouver, à mon avis, vous les connaissez. Alors, je déplore encore l'absence audio de Saad. Donc, cette sourate nous dit « Celui dont le cœur, et là, ce n'est pas calme, c'est le sabre, a été ouvert, celui dont le cœur a été ouvert par Dieu à l'islam, reçoit ainsi une lumière, qui est le mot « nour » dans le verset, une lumière de son Seigneur. Donc, la suite est malheur à ceux dont les cœurs sont endurcis à l'évocation de Dieu, ceux-là sont dans un égarement manifeste. Ce que je garde vraiment, c'est celui dont le cœur a été ouvert par Dieu à l'islam, reçoit ainsi une lumière de son Seigneur. Je peux continuer le verset aussi. Dieu a révélé les paroles les plus belles dans un livre dont les paroles se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui craignent Dieu frissonne à leur audition, puis elle s'apaise ainsi que leur cœur. Donc là, c'est le mot koulou, à la remémoration de Dieu. Voilà la guidance de Dieu par laquelle il guide qui il veut. Celui que Dieu égare, nul ne peut le guider. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, mais si Saad peut préparer... Voilà, une petite psalmodie pour la fin, ce serait bien. Parce que la sonorité de l'arabe est quand même plus jolie que celle du français. Donc, cette lumière qui émane de nous, quelquefois on nous le dit, on dit « Oh, cette belle lumière que tu as sur le visage ben, ». Ce n'est pas notre propre lumière. Si on se réfère à ce verset, mais c'est bien celle reçue de Dieu. Et donc Dieu est toujours en nous, c'est-à-dire depuis notre naissance, depuis notre incarnation, il est là à chaque moment, qu'on soit croyant ou pas, il est là. Mais il y a un moment qui est une rencontre dans notre vie, qui se fait à un moment de notre vie où Dieu, par amour, se manifeste à nous. Et se manifeste clairement à nous. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement eu ce moment de rencontre où Dieu se manifeste. Et à chaque fois, dans les récits de chacun, quand on parle de ce moment-là, d'ailleurs, nous faisons un petit groupe en France avec Khaled Roumo, qui est un poète d'origine syrienne, pour ne parler que de ce moment de rencontre avec Dieu. Et c'est un moment, en fait, qui est toujours associé à une clairvoyance, où les choses deviennent justement claires, limpides, et c'est justement l'effet de cette lumière divine. Donc la foi... Et cette lumière divine manifestée en nous, c'est une lumière qui éclaire notre vie, qui éclaire nos choix. En tout cas, c'est ma façon
de voir la foi. Et quand on évoque les maîtres spirituels, quelle que soit la tradition en fait religieuse, eh bien ils ont tous en commun l'illumination. Et en même temps, je dirais que tous ceux qui ont rencontré Dieu sont des êtres illuminés. Et par contre, nous ne sommes pas tous des maîtres spirituels. Et la différence, c'est qu'en fait, les maîtres spirituels restent alignés en permanence sur cette lumière. Et d'ailleurs, chez les bouddhistes, on appelle Bouddha le roi de la lumière. Alors, cette joie, justement, Sana, quand tu as dit cette joie qui est fugace, qui ne reste pas tout le temps, eh bien, ces maîtres spirituels, en restant alignés en permanence sur la lumière divine, ben, connaissent cette source infinie de joie en eux. Et nous, nous sommes porteurs de cette lumière, mais parfois, eh bien, on la laisse s'obscurcir. Et c'est la fin de cet extrait, justement. Quand Rumi nous dit « Ne va pas dans le voisinage du désespoir, il existe des espoirs. Ne va pas dans la direction des ténèbres, il existe des soleils. Hein, » de cette, justement, cette, pour éviter l'obscurcissement, et bien, notre obscurcissement, et bien Rumi préconise la fréquentation permanente des saints. Alors, le mot saint, c'est une traduction. Donc, c'est le mot Olia, Evliya en turc. C'est la fréquentation permanente des sages, des proches de Dieu, des amis de Dieu, de ceux qui se sont annihilés en Dieu, annihilés dans sa lumière. Et Rumi en fait partie. Et c'est pour ça que, qu'aujourd'hui, nous sommes réunis, parce que finalement, c'est un sage qu'on fréquente. Et même si on n'en connaît pas la raison, eh bien, notre esprit en connaît la raison. Et justement, cette graine de grenade, qui est le début de notre texte, cette graine qui pousse dans notre cœur, eh bien, elle pousse sous l'effet de la lumière divine et elle donne un fruit, un joyau, ce qui est dit d'ailleurs dans le texte d'aujourd'hui, que tu sois roc ou marbre, tu deviendras joyau. Quand tu parviendras au cœur du saint, ben ce joyau, en fait, qui pousse dans notre cœur, ben c'est l'amour, mais pas l'amour sensuel, l'amour divin. Je ne sais pas si, Sana, tu veux dire quelque chose, si je continue. Oui, comme tu veux, parce que moi, j'aurais aimé que tu continues, mais si tu veux j'interagisse, ben, écoute, moi, mes recherches dans le coaching et mon regard de coach, selon Spinoza, la joie, le but ultime du désir, c'est de nous offrir la joie. Donc, derrière la joie, il y a un désir. Et en fin de compte, cette rencontre avec Dieu, si nous le désirons de façon très, très, très forte, que ça soit un désir ardent à l'intérieur de chacun de nous, je pense que c'est un des désirs les plus élevés de l'être humain, d'aller à la rencontre de Dieu, du Créateur. Et je suppose que je ne veux même pas m'imaginer la joie que ça pourrait nous donner d'être en présence de Dieu et de rencontrer Dieu.
Et le chemin, c'est un chemin. Je ne pense pas que ça se fait avec facilité, parce qu'il y a certainement plein d'obstacles qui est, entre autres, l'obstacle de nefs, de notre ego qui nous bloque pour aller cheminer vers cette lumière. Nous travaillons aussi sur les rêves. Les coachs ont tendance à travailler sur les rêves, les aspirations, parce que le rêve, c'est le langage de notre âme. C'est notre âme qui souhaite réaliser réaliser ses rêves, les rêves en tant qu'aspiration. Et je remarque, lorsque j'accompagne mes clients, à chaque fois qu'ils ont un beau rêve et que ce rêve est totalement, ça vient je sens que ça vient d'une aspiration profonde, le rêve est tellement grand et tellement puissant que ça fait beaucoup d'ombre. Et cette ombre, elle s'exprime par une forme de morcelage. C'est-à-dire que la personne, elle est comme morcelée en plusieurs parties. Oui, c'est comme la grenade. Et c'est pour ça que cette métaphore était intéressante, parce que à travers le travail du coaching, nous allons essayer d'harmoniser entre les différentes parties pour qu'elles concourent, pour qu'elles aillent vers une forme d'unicité. Et qu'elle puisse donc aller vers la concrétisation et la réalisation du rêve, le rêve qui peut être un projet, parce que j'ai vu que tout à l'heure, ce qui faisait plaisir et qui donnait de la joie, c'était la réalisation d'un projet. Mais lorsqu'on rêve d'un projet, automatiquement à côté, il y a des voix qui s'élèvent, des peurs qui s'expriment, des freins, des croyances, des pensées et tout ça. Et de l'ordre de l'ego. Mais si on fait participer notre âme, eh ben ça va nous donner plus de puissance, ça va donner plus de puissance à ce rêve. C'est-à-dire que si je dis, ok, je veux réaliser ce rêve pour en bénéficier sur le plan personnel, et si je réalisais aussi ce rêve au profit de quelque chose qui me transcende, qui me dépasse, ça peut être la Terre, avoir un monde meilleur, ou ça peut être au nom simplement de Dieu et de vouloir être parmi les personnes bénies parce que notre projet va apporter quelque chose de beau à l'univers. Donc, il faut toujours qu'il y ait cet accord, cette harmonisation entre l'ego, la voix de l'ego et la voix de notre âme. Et là, quand il travaille encore en concordance, on retrouve cette unicité et cette harmonie pour plus de puissance. Voilà, c'est ce que m'a inspiré ton discours. Alors, le travail du coach rejoint le travail spirituel, parce que, en fait, le travail spirituel, c'est d'être toujours structuré par le « la ilaha illallah ». Oui, je pense qu'un projet qui n'est pas au service de quelque chose qui nous transcende, à mon avis, il est voué à ne pas être pérenne, c'est-à-dire qu'il ne va pas être dans la durée. Il peut être ponctuel, il peut réussir ponctuellement, mais il ne peut pas être durable. Parce que nous sommes une partie du tout. Nous faisons partie d'un système beaucoup plus grand. Et nous devons apprendre de cela et de dire que tous nos projets, nos entreprises doivent être au service de quelque chose de plus grand. Voilà. Justement, tu as dit tu as utilisé deux adjectifs, deux qualificatifs, puissants, transcendants pour les projets, mais c'est l'amour qui est aussi une énergie puissante et transcendante et qui est puissante pour nos projets aussi. Je pense qu'il n'existe pas de joie sans amour. Je pense que ça va de pair. Un amour de soi d'abord, un amour de soi vers soi, un amour de l'autre et un amour de ce qui nous dépasse, de Dieu, l'amour de Dieu. Et sans l'amour de soi et l'amour des autres, je pense qu'on ne pourra pas aller s'élever vers un amour plus pur et plus lumineux. Et c'est le...
C'est l'enseignement de notre prophète, en fait. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est cet amour qui marque la présence divine dans notre cœur et qui est aussi la force qui permet de transmuter les cœurs de pierre en joyaux, en rubis précieux. Souvent dans l'œuvre de Rumi, on a cette transmutation là, soit du cœur de pierre en rubis précieux. Et le rubis, c'est ce qui est à l'intérieur de la grenade, hein, au niveau esthétique. Et c'est ce qu'il dit ici, hein, que tu sois roc ou marbre, tu deviendras joyau quand tu parviendras au cœur du saint. Et le saint, justement, dans ce que j'avais lu en préambule, que je ne t'avais pas donné, le plus grand des sages, c'est celui qui est une miséricorde pour les mondes, et c'est notre prophète Mohammed. Alors, chez Rumi, il y a ce côté de transmutation, de transformation, d'alchimie spirituelle. Alors aujourd'hui, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est complexe. Mais c'est ce qui, en fait, l'amour, c'est l'étincelle, le feu qu'utilisent les alchimistes pour changer une nature, qui est en fait notre nature sensuelle, dans une autre nature, et là qui est une nature divine. Donc, tant qu'on n'a pas eu cette transmutation en nous, tant que les cœurs de pierre ne se sont pas changés en rubis, eh bien, on a une compréhension, incomplète du chemin divin, spirituel. Oui. Mm-hmm. Et on a toujours en nous quand même cette soif-là, qui est la soif de notre esprit qui a connu Dieu, je dirais, ante in utero, avant notre incarnation. Ça, c'est toujours en nous. Notre esprit est toujours en nous. et dans ce texte, justement, Rumi insiste sur la compagnie de ceux qui sont avancés spirituellement. C'est la fin du texte. C'est la fin de l'histoire aussi, hein. Quand il nous dit « Oh, donne à ton cœur la nourriture venant de celui dont le cœur est accordé au tien, va chercher le progrès spirituel chez celui qui est avancé. » Voilà. Bref, en tout cas, lorsque Rumi nous parle de joyaux, de pierres précieuses, ben c'est aussi une notion fondamentale. Parce que ça veut dire que l'amour, lorsqu'il est en nous, lorsqu'il mûrit en nous, eh bien, il resplendit, il brille, et tout le monde le voit. Cette joie, justement, qui est le thème d'aujourd'hui, qui est dans ce cœur, eh bien, elle se voit et elle unit aussi. L'amour a cette vertu d'unir au-delà de, j'entends de l'amour, mais même dans l'amour aussi physique, quelque part, il y a cette union, ben, comme tous les grains dans une seule grenade. Et cette grenade, au départ, quand Rumi nous dit si tu achètes une grenade, achète-la quand elle est ouverte, eh bien, cette grenade ouverte, elle symbolise aussi notre aptitude à ouvrir notre cœur à la lumière divine et à l'amour du divin. On s'immerge ensuite dans ce jus sucré de la grenade, de l'amour, et on imagine que ce jus passe dans notre cœur. C'est pour ça qu'il y a toujours ce symbole aussi du sang dans la grenade.
et chaque artère, chaque veine se remplit de cet amour en nous. Et c'est ce côté un peu irradiant de l'amour, qui ne reste pas que dans le cœur, qui est distribué dans tout notre corps, qui irrigue aussi chacun de nos organes, qui les soigne aussi. Qui, en fait, chaque cellule de notre être se remplit d'amour. Et ensuite, chaque geste, chaque parole qui vient de nous, eh bien, est remplie d'amour. Et ce que nous donnons aux autres, ce que nous donnons, ce que nous offrons à l'univers, est amour. Et d'ailleurs, alors, quand on voit la danse des derviches tourneurs, alors certains dans la confrérie Maeve Levy disent que c'est un peu brodé, un peu trop poétique, mais on dit, alors je ne peux pas le faire ici parce que mon bras va partir de l'écran, mais on dit que le derviche tourneur, le semazen, reçoit l'amour divin, ensuite que ça passe par son cœur et qu'ensuite il le redistribue. Et on est tous semazen, on est tous derviche tourneur, on distribue cet amour. Une fois qu'il est là en nous, il y en a tellement, c'est une telle source qu'on le distribue et qu'on le reçoit en permanence en fait. Et personnellement, c'est ainsi que je comprends la noblesse du comportement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'ailleurs dans un hadith a dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. » Eh bien, moi je vois que je le comprends comme ça, que cet amour est la source de notre comportement. Et pour que cet amour soit notre chair, c'est-à-dire que pour incarner cet amour, eh bien, comme toi, tu l'as bien souligné, Sana, eh bien, c'est important déjà de se l'appliquer à soi-même, comme un remède. De s'aimer et de faire la paix, en fait, avec nous-mêmes. Cette miséricorde prophétique, eh bien, aussi la prendre pour nous, avoir pour nous-mêmes aussi cette miséricorde et pour les autres, mais pour nous aussi. Et qu'est-ce que je veux dire en ce sens-là? Eh bien, c'est que nous devons nous sentir dignes d'être le réceptacle de l'amour divin. Cet amour divin qui vient de Dieu, mais qui vient aussi, ben, en toute logique, de ces créatures, donc des autres. Et c'est vrai qu'on est dans une période où on voit beaucoup l'enveloppe corporelle, l'aspect physique, l'âge, mais là, ça n'entre plus en compte, en fait. C'est ce qui sort de nous, c'est ni notre âge, ni notre enveloppe corporelle. C'est cette noblesse du comportement et cet amour et ce côté infini de l'amour. Alors justement, sur ce que tu disais, Sana, sur le rire de la tulipe. Le rire, mais le rire de la tulipe n'est pas béni, car sa bouche laisse apercevoir la noirceur de son cœur. Alors, je ne sais pas ce que tu voulais nous dire, mais ça m'intéresse. Ben écoute, hier tu m'as dit, Sana, j'aimerais qu'on interagisse pendant la présentation, et moi je ne suis pas une spécialiste du soufisme, mais à vrai dire, je suis une mauvaise élève, parce que le texte, je l'ai à peine lu ce matin, parce que j'aime toujours garder l'impression de la première fois. C'est-à-dire que j'aime bien garder ma curiosité attisée pour boire tes paroles et les assimiler et les intégrer.
Alors, mais lorsque je l'ai lu ce matin au réveil, j'ai eu l'impression que ce texte nous invitait à savoir choisir les bons guides. Ça veut dire qu'il y a des mauvais guides, des faux guides plutôt, et des guides, des vrais guides. Et cette tulipe, ça m'a fait penser aux faux guides. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans le texte de Rumi, mais c'est le cas. Ben alors, tu nous expliqueras qu'est-ce que c'est ce faux guide et comment le reconnaître. Parce que moi aussi, dans ma profession, ben, il y a aussi des coachs et des gourous, des faux coachs et des vrais coachs. Et tout cela, parce que pourquoi j'en parle ? Parce que le coach qui n'a pas fait un réel travail sur soi, qui n'a pas fait un cheminement, qui n'a pas un espace de supervision pour que lorsqu'il y a des résonances entre son histoire et l'histoire de son client, il peut vraiment être sous le joug de ses désirs. Parce que nous disons, une des missions du coach, c'est de développer l'autonomie et l'autonomie de nos clients. Et lorsqu'on n'a pas fait un travail sur soi et qu'on est sous l'emprise du désir de toute puissance ou qu'on est sous le désir de séduire ou le désir de gagner de l'argent ou le désir de reconnaissance ou le désir d'être utile, en sachant que Spinoza a dit que d'abord le propre de l'homme est le désir et que le désir nous apporte de la joie. Mais ça peut être, si on n'est pas assez conscient, qu'on met pas assez de conscience sur nos actions et sur comment nous accompagnons la personne, et qu'on sache que cet espace que nous créons entre nous et le client est un espace sacré, et qu'il y a quand même la confrontation, il y a la présence évidente du désir du client, parce qu'il vient, il veut réaliser son désir. Hein, il vient parce qu'il ne sait pas, il est perdu, il y a de la confusion. Donc, tu es là pour l'aider à découvrir d'abord son désir ardent, ce qui l'inspire. Mais il y a aussi la présence des désirs du coach. Et là, s'il y a une interférence entre le désir du client et les désirs cachés du coach non résolus, ça va vraiment provoquer des dégâts dans l'accompagnement et ça peut développer une forme de dépendance et une forme de manipulation. C'est la nafs aussi qui met des taches sur le cœur. Il y a une histoire que je ne raconterai pas là parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous la connaissez pour la plupart. C'est une histoire du Masnaoui entre, en fait, il y a un concours de peinture entre les peintres byzantins contre les peintres chinois. Et à la fin de cette histoire, la leçon de Rumi, il y a une belle description du soufi qui dit contemple dans ton propre cœur toutes les sciences des prophètes. C'est une réponse à ta question. Hein. Contemple dans ton propre cœur toutes les sciences des prophètes sans livre, sans professeur, sans maître. Le livre du soufi n'est pas composé d'encre et de lettres. Il n'est rien d'autre qu'un cœur blanc comme neige. Donc, ça, on retrouve le fait de se détacher aussi des livres, des professeurs. On le retrouve souvent dans le parcours des jeunes éveillés qui sont appelés ensuite à devenir chir. Où en fait, on a souvent l'histoire du jeune chir qui lit tout ce qu'il trouve, en fait, au niveau de la spiritualité, bien sûr. Et à un moment, son maître lui dit, ben, arrête, parce que tout ce que tu dis, ça ne vient pas de toi, de ton cœur. Ça, c'est la lumière de ce que tu lis,
CEUX, hein. Mais ta propre lumière, tu ne la développes pas. Hein. Donc, il y a toujours un moment dans l'éducation des jeunes chers où on leur enlève tous les livres. Il faut laisser de la place à quelque chose de nouveau, de naître. Ben, il faut laisser de la place à cette propre descente de lumière divine dans notre propre cœur. Et alors, c'est vrai que la proximité avec, comme dit Rumi, les saints, mais les personnes sages, les personnes avancées, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la consommation. Donc, on consomme les choses spirituelles comme le reste. C'est-à-dire que c'est un peu une overdose de lecture, de contenu, je dirais même de conférence. C'est pour ça que je ne voulais pas appeler cette réunion conférence, mais plus réunion spirituelle. Mais on surconsomme en fait même la spiritualité. Alors, il faut se questionner nous-mêmes, vraiment développer notre intérieur, mais aussi seul, développer notre confiance en nous. On a vu développer notre amour, mais notre confiance en nous, développer le savoir par l'intuition, c'est important ça dans l'enseignement soufi, cette connaissance par l'intuition qui n'est pas développée dans notre monde de technologie, la connaissance par intuition. Et pourtant, c'est ce qui nous permet justement d'apercevoir la noirceur des cœurs. C'est par intuition, c'est pas forcément prouvé par la science, mais c'est notre intuition. Il y a beaucoup aussi, en ce moment, je reçois beaucoup de contenu, des miracles du Coran, expliqués par la science. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de la science, en fait, pour s'émerveiller des miracles du Coran? J'en suis pas sûre. Donc, c'est aussi notre travail à nous de se laisser émerveiller. Quand tu as dit « qu'est-ce qui fait chanter votre cœur ?» Cet enchantement, de trouver les miracles au quotidien. Je me rappelle une table ronde avec un ami que vous connaissez bien, qui est Éric Chauffroy, qui nous parlait des saints, justement, des guides spirituels du 12e, 13e siècle. Et il y a toujours beaucoup d'histoires de miracles, même au Maroc. Il y a plein d'aoulia avec plein de miracles. Et Éric nous disait maintenant, on n'est plus dans cette période des miracles. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Ces miracles, ils sont là tous les jours, à chaque instant, dans nos vies, nous tous, là. Et ceux qui ne sont pas réunis avec nous ce soir également, mais on ne sait plus les voir. Donc, tout ça vient bien de nous-mêmes aussi. Et ça, ce travail, un guide spirituel, justement, il peut nous guider, mais il ne va pas... mâcher la viande, comme on fait pour des jeunes enfants. Hein. Le travail, c'est quand même à nous de le faire. Et puis, autant cette proximité est importante, mais ça peut être une proximité aussi avec un maître dont l'esprit est toujours vivant, comme Rumi. Ou ça peut être un maître vivant, comme il y a par exemple au Maroc ou en Turquie. Certains sont connus, certains ne sont pas connus. Ça, c'est le hasard de vos rencontres. De toute façon, quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous savez que c'est cette personne qui vous fait du bien, qui vous rapproche de votre Seigneur. Donc, voilà. Après, ce qui est important, c'est de développer aussi une maturité spirituelle et se questionner quelquefois quand on se fait avoir par des faux guides, c'est qu'on cherche toujours aussi comme des enfants,
on cherche à se faire materner, à être biberonné. On attend que quelqu'un comme ça nous donne le biberon, alors que tout est en nous. D'ailleurs, c'est le hadith, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Donc, tout est en nous. Mais il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance dans le fait que tout est en nous. Et puis, se poser des questions quand on veut trop se faire materner. Et c'est là souvent où je dirais que l'arnaque vient. Parce que la tulipe au cœur noir, elle saisit ça chez nous. Et tout ça, toute cette connaissance intérieure, eh bien, c'est parce que ce que le prophète nous a enseigné, cette excellence du comportement. Quand Rumi nous dit le livre du Soufi n'est pas composé d'encre et de lettres, il n'est rien d'autre qu'un cœur blanc comme la neige, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses, hein. Beaucoup de symboles. Ce cœur blanc comme la neige, eh ben, il parle pour nous. Chaque fois qu'on est en colère, chaque fois qu'on a une parole méchante ou blessante, ce sont des taches noires sur notre cœur. Et dans ma confrérie indienne, qui est la confrérie de la Chishtiya, comme tu l'as dit en introduction, on dit que tant que l'ange du côté gauche, il n'a plus rien à écrire, donc tant qu'on continue à avoir des péchés, parce que, on dit que c'est celui qui écrit nos péchés, et bien tant que l'ange du côté gauche a encore des choses à écrire, et bien on ne peut pas devenir mouride, c'est-à-dire disciple. C'est même pas devenir chir, c'est disciple. Donc, c'est un bon mois, ce mois-ci, pour réfléchir sur nous-mêmes. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une société qui nous sort de ces valeurs-là. Mais on a vu que finalement, que cette société qui nous sort de ses propres valeurs, elle est allée droit dans le mur. C'est pour ça qu'on est confinés. Donc, j'espère que de cet accident de parcours, eh bien, on pourra en tirer aussi les leçons pour nous-mêmes et ne pas devenir comme ça un loup pour l'autre, qu'on saura cultiver les valeurs, les beautés de notre cœur, de notre humanité. Et je pense que pour nous, c'est un miracle d'avoir ce mois béni pendant le confinement. Parce que ça nous permet d'aller justement aussi à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller au-delà de nos angoisses, parce que on a un contenu au niveau des actualités qui est très anxiogène, qui peut nous faire peur, mais on est seul finalement pour nous débrouiller avec tout ça en ce moment. Donc, pour nous, c'est aussi une chance pour une meilleure connaissance de nous-mêmes et pour avoir confiance dans notre énergie infinie.